Je vous emmène en rando VTT à Blandin pour sa 21e édition de brevet. Donc Blandin, c'est à une demi-heure de Lille. C'est en Belgique, dans les alentours de Tournai. Donc ce sera la deuxième fois que je roule en Belgique. On est le 21 août. Les températures sont un peu fraîches, il fait 17 degrés. Alors moi je reviens de montagne où j'ai eu très très chaud sur des petites distances avec beaucoup de dénivelé. Ici j'ai pris la distance de 45 km. Je verrai si je bascule sur le 55. C'est plus long ce que je faisais là-bas, mais il fait frais et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de dénivelé. Donc on adaptera en fonction du parcours. Voilà, le terrain est un peu lourd, mais il reste quand même assez sec. On ne devrait pas avoir de boue. Pas trop de problèmes d'adhérence de ce côté-là. Donc il y a du monde. Et voilà, je pense que ça sera une bonne rando. Et puis c'est un retour brevet pour moi. Tranquille, pas de problème de trace. J'ai juste à suivre les indications. Donc tout devrait bien se passer. C'est parti. Pour l'instant, le parcours est assez tranquille, assez plat. Il y a des beaux singles. On sent que les organisateurs ont recherché les singles. Et puis il y a des passages sur des routes de campagne, le long d'un canal. Mais là, je vois qu'il y a un petit mont qui se profile en face. Donc, il devrait avoir de quoi de s'amuser un peu. C'est un peu des biens. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, allez, j'espère qu'on va escalader, c'est parti. Allez, on va tenter le hard. Ah, ça passe pas. Putain.
Là, cette rando se termine. Je suis très content de l'avoir faite. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'avais des a priori avant de commencer parce que mes derniers randos c'était en montagne. Donc je cherchais un peu de dénivelé, j'avais peur que ce soit un peu trop plat, un peu trop monotone. Et en fait, il y a beaucoup de single technique sur ce parcours. Ça m'a bien plu. Il y a également du dénivelé. Il y a à peu près 450 mètres de dénivelé sur le mont Saint-Aubert. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Plus un peu de campagne pour dérouler. Et voilà, on arrive à 55 km. Très agréable. Vous pouvez retrouver la trace en description. Je suis pas sûr qu'on puisse la refaire. Je crois qu'il y a des passages privés. Il y a aussi des endroits où le terrain avait été préparé. Mais bon, vous pouvez toujours regarder et vous inspirer de la trace. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, roulez bien et portez-vous bien.